dame, ça va mal, je crois qu'on est foutu. On peut déjà prédire que notre chère monnaie quittera le SME à coups de pompe dans le cul pour s'aligner sur la roupie de Sans-Soleil. La guerre éclatera entre pauvres et riches. Les curés saboteront les usines de capote dans les banlieues pourries, dans les campagnes en friche. On se fera égorger pour un paquet de biscottes. Ah bon ? Au gluten. Ah bon ? Ah, ça fait aller. Heureusement, ça fait aller. Qu'il y a l'amour, fellation et écoutez, cunilingus, cunilingus, sodomie, simplex, coitus. Prenez des notes. De la nuit noire au point du jour. Heureusement, heureusement qu'il y a l'amour. Pour combler le déficit, Euro Disney prévoit dans son monde enchanté d'installer un tripot avec trafic de drogue, alcool de premier choix, travelon brésilien, gonzesse, vendimanche au... Le Paris Saint-Germain avec ses supporters achèteront les anciens locaux de la Gestapo pour faire des expériences sur les races inférieures et l'amélioration de la graine de facho. Ah bon ? Oui, mais... Sans sel. Ah bon. Oui, ça fait aller. Heureusement. Bienvenue. Qu'il y a bienvenue au casino de Nice. De Paris, pardon, merde. Qu'une me suis couru de plafond. Sodomie. Bienvenue simplex, au casino de Paris. Tu, carrefour du sexe et de la drogue. Au point en du jour. À la sortie. Heureusement. Deux sachets pour le prix d'un. Qu'il y a l'amour. Notre ami Alain Prost va crier dans sa caisse. Les journalistes, hélas, portés par leur élan, continueront à interviewer la merguez le dimanche à 8h pendant au moins 20 ans. Quand pèteront les centrales de l'Est, il n'y aura plus d'amour, plus d'amis, plus un souffle de vie, sauf le chant des scorpions le soir au fond des bois et celui de Jacques Martin dimanche après-midi. Bienvenue. Bienvenue dans mon cul. Qu'il y a l'amour. Vous êtes ici chez vous. Cunilingus. Revenez quand vous voulez. Simplex. En écartant les poils. De la nuit noire. Bienvenue. Au point du jour. C'est mon théâtre. Heureusement. Sont mes fauteuils. C'est mon cul. Qu'il y a l'amour. S'attend également à une grande invasion de sauterelles, de punaises, d'araignées cannibales, de moustiques et de puces, de cafards, de morpions, de frelons et des lecteurs du Front National. C'est la fin de l'Empire, on va voir arriver les hordes de barbares comme au temps des Romains. L'avenir a le goût d'un vieux mégot mouillé. Debout les filles, chantons ensemble ce refrain. Les hommes aussi, hein, les hommes. Heureusement, heureusement qu'il y a la Fnac. Il y a l'amour, fellation, le trompe de sachet, cunilingus, sodomie, sodomie, simplet, ah, coitus. C'est quoi le coitus? C'est une sorte de fougère. Ah, vivement le printemps, j'aille m'asseoir dans la forêt. Alors, mets de l'huile. De la nuit noire au point du jour. Heureusement qu'il y a là. Méditons et prions ensemble, car nous sommes tous frères et sœurs. Vous savez, sans déconner Bernard, vous savez qu'avec la seule force de la vibration incantatoire, on arrive à faire des miracles. Avec la concentration, on arrive à, faire remonter un escalier, par exemple. Regardez, tenez, regardez. Concentrez-vous. Monte, je le veux. Monte, monte, grouille-toi, merde, monte, monte, plus vite, oui, je le veux, monte. Oui, c'est improvisé. Oh, escalier. Les gens nous demandent souvent monte, si on improvise. C'est extraordinaire. Il y a tellement de nanas dans la salle qui se lèvent tout seul. Oui, c'est vrai. Je me mets à sa place.
Mais les sectes, ça marche vachement. Regardez même au Texas, Waco, ou la secte de Waco, ça marchait formidablement. Bon, ils avaient un slogan comme seuls les Américains savent en trouver. Vous savez, Waco, c'est bon, mais c'est chaud. Ouais, bon, bon, d'accord, c'est vrai que c'était chaud. C'est oui, mais enfin, j'aimerais bien qu'on en parle un peu sérieusement. Oui. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. C'est une émission anti-religieuse, il y a une compression de budget, on n'a qu'un prénom pour deux. Et... tout le pognon va aux émissions religieuses. Oui, Bernard, vous savez que dans les Alpes de Haute-Provence, les habitants de Castellane ont bien failli vivre à l'ombre d'une pyramide de 32 mètres de haut qui devait être édifiée par la secte du Lotus. Et c'est authentique, hein, c'est la secte du Lotus, ça existe. Personnellement, Bernard, j'utilise fréquemment cette marque. Et je me suis enfermé pendant plusieurs mois dans un cabinet de lecture et j'ai étudié des vieux rouleaux. Oui. Et je peux vous dire, j'ai fait des découvertes passionnantes, les chevaliers du papier lotus, primitivement déjà, et c'est amusant, je suis sûr que ça va être... s'éclairaient à la torche. C'est amusant ça, oui. Ça va les noter pour les fêtes. On se fera moins chier en famille. Eh bien, c'est une secte qui a été fondée par le grand maître Shabriman Harpik Ier. Mmh. Harpik Ier qui était un gladiateur hémophile. Exact, exact. Il n'a donc pas eu le temps de demander la grâce du docteur Garetha. Ben, oui. Il est mort avant. Vous savez que Michael Jackson fait partie de la secte du Lotus. Vous aimez Michael Jackson? Non, comme tout le monde. Ce qui lui arrive est terrible. C'est affreux ce qui lui arrive. Enfin, en plus, quand même, c'est cher. 60 millions de dollars pour une pipe, quand même. C'est cher. C'est cher. J'espère qu'à ce prix-là, il avale la fumée. Oui. Alors, Michael Jackson était noir, il est devenu blanc, il s'est fait greffer des morceaux de peau sur le visage, très bien. Mais alors, la question se pose de savoir, n'est-ce pas, ces morceaux de peau blanche, d'où viennent-ils? Parce que c'est quand même un peu inquiétant. Vous avez un avis là-dessus? Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver de la peau blanche aujourd'hui. Enfin, sans déconner. Non, sans déconner, sans déconner. De la peau blanche au Front National, non? Non, mais sans déconner. Non, sans déconner, sans déconner. Sans déconner. Sur un abat-jour. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Sur un abat-jour du Front National. Bon, bah on déconne. Non, Bernard. Il les prélève, ces morceaux de peau blanche, sur lui-même. Il ne fait donc de mal à personne. Mais oui, il les prélève sur lui-même. Alors évidemment, vous allez dire, il les prélève sur lui-même. Mais, eh bien, je réponds volontiers à ma question. Bernard, vous n'ignorez pas que les Noirs ont la bite rose. Oh là, vous m'envoyez bouche bée. Et Bernard, où avez-vous tiré cette information? Eh bien, c'est ma femme qui me l'a souvent dit. Il se fait prélever des morceaux de peau sur le sexe pour se les faire greffer sur le visage. D'où le titre de son prochain album, Tête de nez. C'est un compact. Si vous entrez vous-même dans une secte, Bernard, vous devrez changer de nom. Alors, oui. Par mesure de prévoyance, je suis allé à la FNAC pour consulter le dictionnaire franco-hindou. Et j'ai vu comment se traduisait, j'ai appris comment se traduisait Bernard en hindou. Bernard... ça se dit « lâche-moi l'air », c'est joli. C'est d'ailleurs, très c'est intéressant, joli, parce qu'on voit le berceau linguistique indo-européen, c'est le même mot, Bernard, et « lâche-moi l'air », c'est un peu le même mot. « Lâche-moi l'air », c'est joli, « lâche-moi l'air ». C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Ah, « lâche-moi l'air ». Et le nom de famille ? Houpette. Houpette. Eh bien oui, madame, vous avez gagné. Ça fait « lâche-moi les roupettes ». Bravo. Vous avez gagné un divorce pour deux personnes. Non mais, on plaisante, mais Bernard, c'est vrai ce que vous dites, voyez-vous? Moi aussi, j'ai consulté le dictionnaire franco-hindou au cours d'un stage de fakir dans une MJC. Dans les MJC, c'est ou poterie ou fakir, il n'y a pas le choix. Vous allez me dire, mais comment s'est déroulé ce stage? Comment s'est déroulé ce stage? Je vous le rends. J'étais sûr que vous me poseriez la question. Ce stage s'est déroulé. D'abord, c'était extraordinaire. Vous savez, il y avait une ambiance. Une ambiance de stage. Voilà. Pendant 15 jours, je suis resté assis sur un bidet rempli d'eau glacée, selon la méthode de Rika Zaharai, en récitant la formule. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Et j'ai jamais compris pourquoi, au début, elle est froide et après.
Mais là, il y a une explication scientifique et ça n'est ni occulte ni ésotérique, Bernard. Si vous lisiez attentivement la chronique scientifique de Charlie Hebdo, c'est expliqué merveilleusement clairement. C'est d'une clarté formidable. C'est parce qu'au bout d'un certain temps, Bernard, les couilles réchauffent l'eau. C'est le contraire de l'action des glaçons dans le martini. Oui. Les couilles réchauffent l'eau. Autant les glaçons refroidissent le martini, autant les couilles réchauffent l'eau. Ah oui. Ah. Enfin, il m'arrive rarement de glisser mes couilles dans le martini. Le bar est trop haut. Alors comme ça, Bernard, les couilles réchauffent l'eau. C'est scientifique. Ça. Mais notez au lieu de rire comme des connes. Là. N'empêche que si un jour votre café est froid... Ah oui. Et si vous n'avez pas de cuillère... Au bout de 5 minutes, vous aurez un nuage de lait. André Malraux avait dit un jour, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Eh bien Bernard, si ses prédictions ont autant de succès que les maisons de la culture qu'il a inventées... On est peinard pour l'an 2000. Bonsoir. D'Amsterdam ou à San Fernando, que tu dormes dans une vieille mansarde ou dans un hôtel de la belle Risco, si le cafard te monte à la tête, mets ta tête dans tes écouteurs, repasse-toi l'éternelle cassette qu'on écoutait à n'importe quelle heure. On retrouve un peu les vieux amis en écoutant la voix de Chuck Berry. Toute la nuit j'ai voulu t'écrire le dos courbé sur ma vieille Underwood. Rien à faire, j'avais rien à dire, alors je me suis repassé Johnny B. Goode. Go, 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 et la vieille machine est repartie sur son antique chariot, conduit par la voix de Maybelline. Et quand le soleil a pointé son museau, j'avais fait la chanson que voici en écoutant la voix de Chuck B. Je l'ai vu l'autre soir en ville sous un chapiteau plein craqué. On se serait cru un peu à Nashville, nous n'avons jamais mis les pieds. Histoire de faire couleur locale, j'ai bu du coca dans du carton. Une guitare a ouvert le bal et 4000 personnes ont crié son nom. J'en ai vu qui pleuraient dans la nuit en écoutant la voix de Chuck. Dans un long pantalon rouge brique, c'est qui vole un peu fatigué. On fait revivre la vieille musique qui planait sur les jeunes années. Des papas qui traînaient leurs gosses au rendez-vous des rockeurs à s'agir. Le chapiteau a crevé sa toile au premier accord de Memphis et des îles. Elle est pas triste de la nostalgie en écoutant la voix de Dieu. Que tu dormes dans une vieille mansarde, dans un hôtel de la belle disco. Si le cafard te monte à la tête, mets ta tête dans tes écouteurs. Repasse-toi l'éternelle cassette qu'on écoutait à n'importe quelle heure. On retrouve un peu les vieux amis en écoutant la voix de Chuck. On retrouve un peu les vieux amis en écoutant la voix de Chuck. On retrouve un peu les vieux amis en écoutant la voix de Chuck. Eh bien, mesdames, messieurs, quand on sait que les anticléricaux les plus inoxydables, quand on sait que les mécréants les plus irréductibles ont suivi leurs études dans des collèges religieux, comment ne pas remercier la droite pour sa tentative de multiplier les boîtes à curés ? Pour lutter contre l'obscurantisme et l'intégrisme, les collèges religieux ne sont-ils pas autre chose que des centres de vaccination ?
car toute idée qui se fige porte en elle le germe de son antagonisme. Le monde, mesdames, messieurs, est régi par la loi des contraires. Maintenant, le premier qui continue à dire que je ne cause que du sexe, je le nique. Restez assises. La loi des contraires, oui. Un pape s'oppose au préservatif et paf, instantanément, 2 millions de jeunes se précipitent sur la capote à 1 franc, au point que le gouvernement, suivant sa logique anticléricale, devrait bientôt nous imposer un préservatif laïque, gratuit et obligatoire. Mettez donc l'hostie à 1 franc. Vous verrez si 2 millions de jeunes iront s'engouffrer dans les églises pour profiter des soldes. Non, mesdames, messieurs, à bien y regarder, le gouvernement sait ce qu'il fait, même s'il l'ignore. D'un côté, il libère le sexe, et de l'autre côté, il subventionne les casse-couilles. C'est très fort, c'est très fin. Suivez le guide et prenez des notes. Excédé par le laxisme de l'école publique, le conseil de famille dit un soir au fiston « Bon, à la rentrée prochaine, tu vas chez les casse-couilles. » Réaction du gosse. « Bon, papa, bon, papa, bon, papa, bon, papa, bon, papa, bon, papa. » C'est une famille moyenne, hein, c'est... 4 ans d'Hélène et les garçons, tu vois. Je m'excuse s'il y en a parmi vous qui regardent Hélène et les garçons. De toute façon, ils comprennent rien, on peut continuer sans eux. Mais enfin, je ne suis pas croyant. Écoute, Gaston, à l'école publique, tu as 2 sur 20 en dissertation. À l'école religieuse, tu bénéficies d'une plus-value. Car Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Alors, si les premiers sont les derniers, il faut bien foutre les derniers quelque part. Alors on les met à la place des premiers, SNCF. C'est QFD, pardon. Moi, les chiffres, ça va, mais alors les lettres, bon... Un cancre qui passe du public au cato peut rejoindre l'élite. Regardez Sarkozy. Même si en fin d'année scolaire, il retourne chez lui en s'écriant triomphalement « Ça y est, 6 x 8, 144 !» Qui pourrait le lui reprocher à une époque où tout augmente. Et voilà le gosse parti en pension chez les bons pères. Et c'est là, mesdames, messieurs, c'est là, dans la moiteur froide et complice des dortoirs, où fais-je les topinettes, que commence le processus irréversible de déchristianisation. Nuit après nuit après nuit, le diable rôde autour des lits pleins d'odeurs légères. Oui, les odeurs légères, j'exagère. Hein, Non, parce que c'est vrai, ceux qui ont respiré dans les dortoirs ont encore dans les narines les traces du parfum Panard numéro 5 de chez Fouette. Ça te suit jusqu'à la mort, ça.
Oui, je sais, ah oui, vous allez me dire, mais enfin, mais pour raconter tout ça, il faut que tu l'aies vécu. Bien oui, je l'ai vécu. 2 ans chez les frères des écoles chrétiennes, et voyez ce que ça donne. Après que sur mes appétits précoces, le clergé eut baissé son rideau, j'étais un obsédé de la tringle. Et je pèse mes anneaux. Mes mots, merde. Alors, chers laïcs, mes sœurs, reconnaissons ensemble l'utilité de l'école religieuse et chantons tous en chœur en nous tenant par la bite. Vive la calotte, c'est le plus court chemin vers la culotte. Parisiens de naguère voulaient partir pour pas cher vers des paradis lointains. Il y avait le métropolitain en première classe. On croisait des femmes lasses d'un mari toujours parti aux colonies. La voilette, hésitante puis coquette, elle vous livrait son nom entre étoiles et nations. Il y avait des divans profonds et des lits pleins d'odeurs légères. La conception des wagons était signée Baudelaire. En première classe, il y avait toujours de la place derrière de lourdes tentures pour faire l'amour à des passantes prises de passion violente qui disparaissaient à jamais à Châtelet. On y buvait du vieux Bordeaux en compagnie d'Apollinaire qui sortait chez Picasso pour s'en aller faire la guerre. En première classe, du côté de Montparnasse, un ivrogne répugnant emmerdait les gens. Ah, quelle misère! Sortez-le, faites-le taire. Je vous maudis, répondait Modigliani. De Bagdad jusqu'à Ispahan, il n'y a que 1001 nuits. Avec 1001 changements dans le métro à Sherazade, après un soupir malade, nous racontait un conte qui se décomptait de nos vies brèves, car chaque station du rêve nous rapproche toujours un peu plus du terminus. Aujourd'hui, tout a bien changé. Quand le Parisien veut rêver, il prend un minable ticket pour claquer sa paye chez Mickey. Les premières classes finissent leur vie à la casse. Dans cette histoire, on s'est encore fait avoir. C'est dégueulasse. Tant qu'à supprimer une classe, c'est la seconde qu'on aurait dû foutre au rebut. Quand les Parisiens de naguère voulaient partir pour pas cher vers des paradis lointains, y
y avait le métropolitain. Et voici maintenant un écran publicitaire. À partir de janvier 95, Fontéval aux Folies Bergères. Vous l'avez forcément remarqué, nous sommes formidablement accompagnés par Françoise et Emmanuel. Pas trop, hein. Pas trop, parce qu'après, il demande du fric. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de me rhabiller. Mais ça ne se voit pas. Tu sais qu'elle est formidable, cette robe de chambre. Elle me scotche. Non mais enfin, où est-ce que tu l'as trouvé? Chez Emmaüs. Ah bon? Ils me l'ont rendu. Ils ont dit, c'est pas parce qu'on est pauvres qu'il faut nous prendre pour des cons. Je parlais de nos amis, les musiciens. Ah, tu as bien fait, oui. Parce que, bon, on voudrait lever un voile, oui. On voudrait lever un tabou sur un préjugé, enfin... Oui. Les musiciens dans le show business. Ce sont généralement des gens qui sont considérés comme étant toujours en retrait sur scène, toujours derrière les chanteurs. Toujours derrière les chanteurs. Ils seraient devant, on aurait l'air con, mais oui, je veux dire, ce sont des obscurs. Des sans-grades. Voilà, une situation délicate. Et alors, dans le show business. C'est toujours dans l'ombre. Dans le show business, on dit oui, il y a une hiérarchie entre les chanteurs et les musiciens. Non. Dans notre équipe, ça n'est pas du tout comme ça. Et comment dire pour ne pas paraître bassement démagogue? Oui. On pourrait dire que dans notre équipe, les musiciens ne sont pas que des employés. Non, car ce sont aussi des... Tucs. Des amis. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir des amis tucs. Hein, oui, c'est plus économique. C'est plus économique. Bon, on vous dit que ce sont des amis, vous êtes peut-être en train de vous dire, ils sont en train de peaufiner leur image de mec sympa et cool. Pas du tout. C'est vrai. Et mieux, nous allons vous le prouver en vous racontant une anecdote vécue. Voilà. Alors ça, c'est une anecdote. Eh bien, lorsque nous sommes en tournée, Patrick et moi, sur les routes de France... Je vais regarder par là. Hein. Bon, alors lorsque nous sommes en tournée sur les routes de France, Patrick et moi, et que nous allons de ville en village, de bourg en hameau, de chemin vicinaux en autoroute, et que nous sillonnons notre... Fais gaffe, t'as ton tic qui te repend, Patrick, malgré les 15 années de psychanalyse lacanienne. Qui nous ont coûté si cher, d'ailleurs. Tous les droits d'auteur dont s'en branle sont passés là-dedans. Hein. Non, c'est parce que d'habitude, je joue avec mes clés de bagnole. Mais ce soir, je les ai pas, alors je me tripote les couilles. Remarque, dans ce métier-là, les couilles, les clés, ça ouvre aussi des portes. Mais oui, Bernard, bien sûr. Il arrive donc certains midis que Patrick et moi, quand vient l'heure du déjeuner, nous nous asseyons à la même table qu'eux. Non, c'est...